Nous allons introduire avec vous le guide de concertation des paris. Des paris pour des dépistages, par participatif et risque pour des risques. Donc dépistage participatif des risques. Le guide des paris est conçu pour être utilisé par les travailleurs et leur encadrement technique afin de faire le point le plus objectivement possible sur la situation de travail qui est la leur quotidiennement et qui sont les seuls à bien connaître. Ils sont aussi idéalement au centre de l'action de prévention, non pour donner leur avis ou répondre à des questions, mais pour débattre des détails pratiques permettant de réaliser le travail dans les conditions optimales pour eux et pour l'entreprise. Ce guide se présente sous forme de 18 rubriques qui abordent 18 facettes de la situation de travail. Nous les avons ici. Il s'agit des locaux de travail, de l'organisation du travail, des accidents du travail, les risques électriques et d'incendie, les commandes des signaux, le matériel de travail, les outils, les machines, les positions de travail, des efforts et les manutentions, l'éclairage, le bruit, l'hygiène atmosphérique, les ambiances thermiques, les vibrations, l'autonomie et les responsabilités individuelles, le contenu du travail, les contraintes de temps, les relations de travail et l'environnement psychosocial. Ces 18 facettes vont constituer l'objet du débat de la réunion de 2 heures avec les travailleurs les plus impliqués et pour le dépistage des facteurs de risque dans la situation de travail. Le guide des paris propose pour chaque rubrique une suite de points à discuter et pour chaque esquisse en quelques mots ce qui est souhaitable. Il y a des mots-clés qui vont servir pour guider la discussion et les recommandations aideront à rechercher les actions d'amélioration les plus concrètes et les plus appropriées. On regarde cette section. La rubrique comprend un espace où le coordinateur note ce qui peut être fait concrètement pour améliorer la situation de travail. L'ensemble du groupe conduisant l'étude porte un jugement global. Il s'agit d'un indicateur final sur la priorité avec laquelle les modifications sont apportées. L'appréciation est réalisée selon un système figuratif, intuitif, à 3 niveaux de couleurs et de smiles. Feu rouge, il s'agit d'un état insatisfaisant à améliorer nécessairement. Feu orange, un état moyen à ordinaire et ordinaire à améliorer si possible. Et feu vert, l'état est tout à fait satisfaisant. Nous allons voir rapidement ensemble l'étude de cas d'une imprimerie que vous pourrez télécharger à l'adresse que vous retrouverez dans la référence de cette présentation. Dans cette rubrique qui est la première donc des 18 rubriques que nous avons vues plus haut, nous allons voir rapidement donc les aires de travail. Vous voyez que la question qui est posée, et que faire de concret pour améliorer la situation des aires de travail. La réunion a fait apparaître un certain nombre de points, évacuer les caisses, palettes, charrettes au fur et à mesure, donc pour ne pas encombrer les voies de circulation, ranger la zone de travail tous les jours, mettre la palette de papier de réserve de l'autre côté du couloir en face de la relieuse, reculer l'armoire pour porter le passage vers la relieuse à 70 cm, organiser un coin café près des fenêtres avec vue sur l'extérieur, aspirer et nettoyer la zone de travail au moins à la fin de chaque série de production pour enlever les poussières et les résidus de tonnerre, réparer la latte, les dalles et le revêtement du sol. Donc voilà les points essentiels qui ont émergé au cours de la réunion de dépistage avec le conseiller en prévention ou le coordinateur donc du groupe des paris. Le coordinateur a souligné un point essentiel, c'est l'organisation de la zone de travail et le recouvrement du sol qui sont des aspects à étudier plus en détail, c'est-à-dire qui vont relever de la deuxième étape de notre démarche, l'observation. Et vous voyez qu'ici, une icône rouge avec un smile donc rouge a été insérée au niveau de cette rubrique. Toutes les autres rubriques que nous voyons en dessous, l'organisation du travail, les accidents du travail, etc., vont suivre la même démarche. Dans cette rubrique sur les ambiances physiques, le bruit en particulier, à la question que faire de concret pour améliorer la situation, les participants donc n'ont pas fait de proposition particulière. Il s'agit d'une situation qui nécessite quelques compétences et le coordinateur de la réunion a noté en dessous, aspect à étudier en plus en détail, le local est très bruyant, étudiez la façon de réduire le... Et il a mis une icône orange, donc à étudier d'une manière un peu plus approfondie, mais nécessite un peu plus de... Alors vous voyez ce qui vient ensuite, c'est les positions de travail, les efforts et manutention, l'éclairage, le bruit, l'hygiène atmosphérique, les ambiances thermiques qui sont notées avec une icône verte, et les vibrations avec une icône verte. Voilà donc pour le deuxième, un autre exemple. Dans cette rubrique 17, sur les relations de travail au sein du personnel et avec la
la hiérarchie, à la question que faire de concret pour améliorer la situation, les membres du groupe des paris, donc de dépistage, ont noté, pour ce qui est de faire, que faire de concret pour améliorer la situation, on ne sait pas toujours quel est exactement son travail et son rôle, un des supérieurs intervient périodiquement dans le mode opératoire, les travailleurs se sentent dévalorisés, sont agacés, dans certains cas il y a des disputes et des agressions verbales, les travailleurs ne connaissent pas la façon dont ils sont jugés, ils ne reçoivent pas le feedback et n'ont pas la possibilité d'en discuter. Le coordinateur a noté en fin de réunion, pour les aspects à étudier plus en détail, clarifier les responsabilités de chacun tout en gardant la polyvalence, revoir les délégations de responsabilités, prévoir une concertation afin d'améliorer les rapports au sein du groupe, information sur le système d'évaluation et l'école est quand même noté en rouge, ce qui veut dire que c'est un point d'attention. Les autres points, les autres rubriques, c'est l'autonomie et les responsabilités individuelles qui est noté en vert, le contenu du travail en vert, les contraintes de temps en rouge, les relations de travail au sein du personnel que nous venons de voir et l'environnement psychosocial qui est la 18e rubrique. Voilà, donc nous avons vu succinctement et survolé cet aspect de traitement des 17, des 18 rubriques. Dans la discussion au sein du groupe, l'étape qui vient ensuite, c'est de dire qui est le plus indiqué pour concrétiser ces mesures qui ont été notées dans les différentes rubriques, ces mesures d'amélioration. Quoi donc, qu'est-ce qu'il doit faire et dans quel délai cela pourrait être réalisé, ainsi que les délais, c'est-à-dire quand ces mesures doivent être réalisées. Il faudra aussi aborder rapidement avec le groupe les implications financières de ces mesures. Il ne s'agit pas de faire une étude financière globale et approfondie, mais les participants sont invités à réfléchir au coût des solutions et à l'impact sur la qualité du produit et sur la productivité en termes de... Donc, pas de coût. Donc, c'est une action qui peut être réalisée sans dépenses particulières. Peu coûteux, de lister des éléments qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement, moyennement coûteux, et très court, avec donc une indication 0, D, DDD et 3D pour plusieurs, beaucoup de dinars. Voilà donc pour cet aspect. Voilà un exemple de la synthèse de l'étude de dépistage pour cette imprimerie. Vous voyez que nous avons les 18 rubriques avec les émoticônes. Cela donne une idée globale de la situation dans cet atelier. Ici, à titre d'exemple, après l'implantation de certaines actions, vous voyez que 3 réunions de dépistage, donc des paris, ont été faites les unes après les autres. Et vous voyez qu'il y a une évolution vers le vert. Nous avons un peu plus de vert après l'implantation de certaines actions, mais il reste quand même quelques points à traiter, comme les risques électriques et d'incendie, les positions de travail, le bruit, l'hygiène atmosphérique, les contraintes de temps et l'environnement psychosocial. Tous ces points vont nécessiter une action un peu plus approfondie, une réflexion, et donc c'est l'étape d'observation et peut-être même d'analyse et ou d'expertise qui seront nécessaires. Vous avez ici les références du document avec les coordinateurs, en particulier le professeur Malcher et M. Apiat.